Son amour, il manifeste une fois de plus pour nous. Il nous permet de le servir, Amen. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Et nous sommes aujourd'hui sur cet espace, la place CPR, à cause de la parole du Seigneur. Le Seigneur nous a donné un ordre de mission. Il a dit, allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Et c'est cette portion des écritures que nous sommes venus accomplir. Amen. Et nous sommes ici pour vous. Amen. Nous ne sommes pas contre quelqu'un. Jamais. Nous ne sommes pas contre une église. Jamais. Nous ne sommes pas contre une religion. Jamais. Nous ne sommes pas contre un pasteur. Jamais. Nous ne sommes pas contre personne. Jamais. Mais nous sommes venus pour vous dire la vérité de Dieu. Amen. Afin que les écailles puissent tomber de vos yeux. Amen. Et que vous puissiez embrasser la vérité de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous vous demandons de poser des tous ceux qui sont épris de vérité. Oui. Tous ceux qui ont soif de la vérité. Amen. Nous vous invitons à poser des questions. C'est ça. Mais que ces questions soient posées dans l'amour. Amen. Nous ne sommes pas venus en guerre. Jamais. Nous sommes venus pour expliquer la parole de Dieu. Amen. Et donc poser des questions. Amen. Et nous allons prendre la Bible pour vous répondre. C'est ça. Sur ces questions. Amen. Monsieur Nathan. Je vous salue, l'homme de Dieu. Salut. Okay. Moi, j'ai une petite préoccupation. C'est concernant les dires de votre frère. En parlant, il a dit non. Le pasteur n'est pas au-dessus du fidèle. Que le pasteur est son frère. Dans une église, le pasteur, il y a des églises où on rentre, on reconnaît déjà les places des hommes de Dieu. Bon, j'ai été un peu touché parce que je vois que dans la Bible, Dieu a mis cinq ministères dans la Bible. Les cinq ministères étaient définis aussi dans la Bible. Pasteur, apôtre, évangéliste, docteur, voilà. Les cinq ministères sont dans la Bible. Donc si quelqu'un fait partie de ces cinq ministères, il ne peut pas être la même chose que le fidèle. Voilà. Quelqu'un ne peut pas être un pasteur. Parce que même si je ne me trompe pas, si je ne vous connais pas, si je sais bien que dans votre église, il y a quelqu'un qui est au-dessus. Quand on dit au-dessus, ce n'est pas forcément sur côté force, mais c'est sur côté spirituel. Parce que quelqu'un qui t'enseigne est au-dessus de toi, spirituellement. Donc j'ai été un peu touché en disant que le pasteur n'est pas au-dessus des fidèles. C'est ma question qui est là. D'accord, c'est une bonne question. Et je crois que nous allons ouvrir les écritures pour t'expliquer. Il y a beaucoup de choses que vous logez. Et les gens vous ont fatigué avec ça. Quand des gens veulent prendre la place du Saint-Esprit dans l'Église, et ça vous fatigue. Le pasteur, tu as été surpris d'entendre que le pasteur était fou. Parce que pour toi, le pasteur ne peut pas être fou. Le pasteur, il est au-dessus des fidèles. Ce n'est pas vrai. Il ne faut pas confondre la fonction et l'individu. Il ne faut pas confondre ça. Il ne faut pas mélanger la fonction. Parce qu'il y a plusieurs fonctions dans une assemblée locale. Maintenant, l'individu. Il ne faut pas confondre la fonction et l'individu. C'est deux choses différentes. Tu vois un peu. D'abord, le pasteur est un frère. Donc, pourquoi que tu sois scandalisé quand le frère dit que le pasteur est un frère? Tu ne peux pas être scandalisé. Parce que quand il dit bien Jésus même dans Matthieu 23, oui. À partir du verset 8, il dit quelque chose. Matthieu 23. Oui. Même fou.
mais fou. Ne faites pas appeler. Comment c'est ça que vous faites? Tu vas. Ils font toutes leurs actions. Non, remonte. Au verset 1. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Ne faites pas ce qu'ils font là. Car ils disent et ne le font pas. Ils lient des fardeaux pesants. Et les mettent sur les épaules des hommes. Mais il ne veut pas les remuer du doigt. Lui, il continue. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Qu'on les voit. Lui, ainsi, ils portent de larges philactères. Ils portent de larges philactères. Et ils ont de longues franges. Et leurs vêtements. Ils ont de longues franges à leurs vêtements. Oui. Ils aiment les premières places. C'est-à-dire qu'on le remarque. Comme Grenade, on sait que c'est. Ils aiment les premières places dans les festins. Et les premiers sièges. Dans les synagogues. Ou pas te faire culte. C'est-à-dire, quand ils rentrent là, quand ils le voient, ils ne discutent pas. Tu vois le balai sauter. Pourquoi balai sauter fidèle se demande de dedans aussi? Ah, est-ce fidèle? On n'est pas contre le fauteuil là. Hein? Mais pourquoi c'est pour lui seul? C'est ça. Pourquoi ça le distingue des autres? C'est ça. C'est là qu'il y a problème. C'est ça. Si l'on achète le fauteuil pour même tout, dans tout le temps pour tout le monde, il n'y a pas de problème. C'est ça. Pourquoi c'est lui seul qui doit s'asseoir sur ce genre de fauteuil là? Question. Pourquoi lui les distinguer? C'est ça qu'on parle. Non, on t'a expliqué. C'est ça qu'on parle. C'est-à-dire quand il rentre, il les distingue des autres. Tu vois, Jésus parle d'eux. Jésus parle d'eux. Il veut qu'on le remarque, qu'on le distingue. Il est plus grand que les autres. Mais écoute, Jésus continue. Ils aiment à être salués dans les places publiques. Et à être appelés par les hommes. Rabbi. Maître, rabbi. Oui. Mais vous, les chrétiens, là. Ne vous faites pas appeler rabbi. Ne vous faites pas appeler comme ça. Car un seul est votre maître. Oh, le maître, c'est celui qui est au-dessus. Le maître, c'est l'enseignant, non? Tu vois, c'est un homme qui enseigne, c'est le Saint-Esprit qui enseigne. Amen. C'est pas un homme qui enseigne. Claire. L'homme ne peut pas enseigner. Jamais. C'est le Saint-Esprit qui prend des canaux. Vas-y. Pour enseigner sa parole. Amen. Le plus grand, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est pas un individu. C'est ça. C'est le Saint-Esprit qui est le pasteur. C'est ça. C'est le Saint-Esprit qui est le prophète. Vas-y. C'est le Saint-Esprit qui est le docteur. Insiste. C'est le Saint-Esprit qui est le ministre. Amen. Le ministère, là, c'est un don. J'allais voir. Parti de Dieu, d'un individu pour faire le travail de Dieu. C'est ça. Ça s'appelle la manifestation de l'esprit, l'onction. C'est Dieu qui agit d'un individu. C'est ça. L'élu n'est que le canal. Non, celui qui est grand là, c'est le Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas le monsieur là. C'est le Saint-Esprit qui est le plus grand dans l'assemblée locale. C'est ça. Le Saint-Esprit. Continue. Mais vous. Ne vous faites pas appeler rabbi. Car un seul est votre nom. Car un seul. Ne pas dire deux, hein. Ne pas dire trois. Ne pas dire le Saint-Esprit le passé. Non, hein. Il y a un seul qui est le maître. Il y a un seul qui est grand. Il y a un seul qui enseigne. Un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. Pourquoi? Vous êtes tous frères. N'a pas dit sauf le pasteur. Amen. N'a pas dit sauf le pasteur. Chalou. N'a pas dit sauf l'apôtre. Vas-y. Vous êtes tous des frères. Le plus grand, c'est le Saint-Esprit. Amen. Chalou. Continue. Et n'appelez personne sur la terre. N'appelez personne sur la terre. Votre père. Le pasteur, le papa. Le père. Pas ça. Le père. Il ne le faites pas. N'appelez personne père sur la terre. Car un seul est votre père. Celui qui travaille dans le pasteur, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est Dieu qui traite dans l'individu, c'est pas l'homme. L'homme connaît rien. C'est ça. Vas-y. L'homme vaut rien, l'homme n'est rien. Insiste. Car ça lit Luc 17:10. Écoute Jésus. Il parle des pasteurs là. Les personnes que vous voyez qui sont quelque chose, écoutez, Luc 17:10. Luc 17. Oui.
verset 10. Lui, vous de même. Il dit, vous les ministres là, vous qui prêchez là, il dit, vous de même. Quand vous avez fait. Quand vous avez fait. Tout ce qui vous a été ordonné. Tout ce qui vous a été ordonné. Quand vous les prêchez, lui. Dites-en. Dites-en. Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous sommes rien. Le pasteur n'est rien. L'apôtre n'est rien. L'évangéliste n'est rien. Le docteur n'est rien. Celui qui a quelque chose, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui seul qui a quelque chose. C'est pas celui qu'on présente. Mais on remarque que les gens, elles se présentent eux-mêmes. C'est pas ça. Paul a dit que nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Amen. C'est le plus grand qu'on prêche. Mais c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. C'est ça. Parce que c'est lui qui est le plus grand. Amen. C'est lui qu'on présente au peuple. Mais vous, on vous présente des hommes. C'est ça qui est mauvais. C'est ça qui est mauvais. C'est pas ça. On vous présente des hommes. Terminons. Matthieu 23. Matthieu 23. Il dit, hey, oui. N'appelez personne sur la terre. N'appelez personne sur la terre. Votre Père. Votre Père. Car un seul est votre Car Père. Un seul est votre Père. Celui qui est dans les celui cieux. Qui est dans les cieux. Un seul. Il n'y a pas deux. Continuons. Viens voir maintenant. Ne vous faites pas appeler directeur. Nous, il dit nous les ministres là. Au point de c'est nous qui dirigeons. Lui qui conduit l'église, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est ça. Lui qui dirige là, c'est le Saint-Esprit. C'est pas l'homme là. C'est pas l'individu. Mais c'est le ministère, le don qui conduit. Amen. Le don, c'est le Saint-Esprit d'un individu. C'est ça. C'est le don. C'est le ministère. Continue. Ne vous faites pas appeler directeur. Ne vous faites pas appeler directeur. Car un seul est votre directeur. Il n'a jamais dit à deux. C'est ça. Jésus qui est pas laissé. Il n'a jamais dit à deux. Il n'a jamais dit à toi. Il n'a pas dit moi le pasteur. Non. C'est lui seul. Non. Il dit car un seul est votre directeur. Le Christ. C'est le Christ. C'est Amen. Ça. C'est le Christ qui est au-dessus de toutes les Christ. Amen. À part le Christ, il n'y a pas quelqu'un. Lui, continue. Le plus grand parmi vous. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. C'est celui qui lave tes pieds là qui est le plus grand. C'est lui qui vient laver ton pied là. C'est lui qui est le plus grand. C'est ça. C'est ça la parole de Dieu. Amen. Celui qui est grand dans le Seigneur n'a qu'à servir les foules. C'est lui qui est de voir plus grand. Quand c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok. J'étais bien compris. Et moi, j'ai l'impression que tu ne m'as pas compris. Okay. Sinon, par tes dits, par la Bible, j'ai compris. Mais moi, ma préoccupation, j'ai l'impression que tu n'as pas compris. J'ai dit, je ne suis pas contre à ce que moi, j'appelle mon papa à la maison. Mon père, là, il est père à la maison parce qu'il m'a mis au monde. Mais du moment où on arrive à l'église, il y a un don particulier que Dieu lui donne, qui fait de lui apôtre. C'est ce don-là qui fait de lui plus grand que moi. Ce n'est pas parce que sur le plan bien en dehors, on n'est pas... Non, en dehors, c'est mon père, c'est mon frère. Mais du moment où Dieu lui donne, c'est comme un exemple, un président. Un président, c'est un citoyen comme nous. Mais du moment où il devient président, à cause du fonction qu'il utilise, il devient automatiquement le premier homme du pays. Il devient supérieur, pas supérieur sur le plan d'un corps, mais il devient supérieur de moi, parce qu'il devient président du pays. C'est comme ça, les hommes de Dieu. Si toi, tu es mon pasteur, bien mon apôtre, bien mon évangéliste, automatiquement, tu peux être quelqu'un qui est au-dessus de moi, parce que c'est toi qui m'as amené, mais c'est toi qui m'as compris. Je ne comprends pas, pardon. Attends. C'est toi qui n'as pas compris la réponse. Sinon, j'ai parfaitement saisi ta question. Maintenant, il fallait bien saisir la réponse. Il fallait bien saisir la réponse. Sinon, j'ai compris ta question. Ta question là, comme l'homme est pasteur, donc il est plus grand que les autres. Parce qu'il a reçu un ministère. Il ne faut pas comprendre, respecter le ministère. Écoute quelque chose. Il faut écouter. Il ne faut pas confondre, respecter le ministère.
ministère. Et puis l'homme qui a le ministère là, au-dessus des autres. Pas comprendre. La fonction, c'est un côté lui. Il y a plusieurs fonctions dans l'église. Tu comprends, non? Il y a plusieurs fonctions dans l'église. Maintenant, les fonctions qui sont respectées. Parce que c'est Dieu qui travaille. C'est la fonction là, c'est pas l'individu. C'est la fonction là. C'est la fonction qu'on respecte parce que c'est Dieu qui est en mouvement. Tu comprends? C'est Dieu qui est en mouvement. C'est pas cet individu là qui est en mouvement. L'homme là, il n'est rien. L'homme, écoute, il faut écouter. L'homme là, non. On ne dit pas la même chose. L'homme là, l'individu là, il n'est rien. Il n'est pas au-dessus de toi. Il n'est pas au-dessus de toi. Ça a pris exemple des chefs d'État. Mais c'est n'a pas compris. Parce que même quand il prend les chefs d'État, ça t'amène à couvrir ton esprit. Le chef d'État, après le chef d'État, là, il n'était rien, non. Quand il y a un chef d'État, là, c'est une fonction. Qui peut quitter, écoute, qui peut quitter un jour. C'est la fonction là qu'on respecte. Écoute, fais écouter. Le chef d'État, c'est la fonction la plus élevée dans une nation. Ce n'est pas l'individu le plus élevé. Il ne faut pas confondre l'individu et la fonction. Le chef d'État, ce n'est pas l'individu le plus élevé. C'est la fonction la plus élevée, la plus fonction d'une nation. Ce n'est pas l'individu le plus élevé, mais c'est la fonction la plus élevée. Allez, l'individu même peut cette fonction et être appelé CTB. Tu comprends? Mais c'est la fonction. On parle de la fonction. C'est la fonction avec le Saint-Esprit. Cherche agissant d'un individu. Cherche. C'est la fonction qui est élevée. Ce n'est pas l'individu qui est élevé. C'est ça. Facile de comprendre. Ce n'est pas l'individu qui est élevé. C'est la fonction qui est élevée. La fonction, là, c'est le Saint-Esprit dans un individu. C'est l'action de l'Esprit dans un individu. C'est ça qui est la fonction. C'est ça qui est le ministère. C'est ça qui est le don. Amen. Tu comprends? C'est ça seulement qui est élevé. C'est pas l'homme qui est élevé. C'est pas déjà dit aux disciples, quand on finissait de prêcher, dites que je ne suis rien. Je suis un serviteur inutile. Merci. Comment quelqu'un qui est élevé peut être inutile? Question. Comment quelqu'un, les prophètes qui s'est dit, comment quelqu'un qui a prêché, il est élevé, puis il est inutile? Il lui, il n'est rien. Luc 17. Oui. Verset 10. Oui. Vous de même. Faut écouter. Hein. Il vous dit de vous même. De même. Quand vous avez fait. Tout ce qui vous a été ordonné. Tout ce qui vous a été ordonné. Dites-en. Il parle pas du ministère. Hein. Il parle de l'individu maintenant. Dites-en. Nous sommes des serviteurs inutiles. Des serviteurs inutiles. Comment quelqu'un qui est élevé peut être serviteur inutile? Ce n'est pas l'homme qui est élevé. Ça t'explique là. Mais une différence entre le don et l'individu. L'homme n'est pas élevé au-dessus des autres. Amen. Ce sont des frères, ils sont même chose. L'homme là, écoute, l'homme n'est pas élevé au-dessus des autres. Ce qui est élevé là, c'est la fonction. Dans l'église, il y a plusieurs fonctions. La fonction, c'est le Saint-Esprit qui travaille. Tu comprends? La fonction là, c'est l'action du Saint-Esprit dans un individu. C'est ça qui est la fonction, disons, Éphésiens 4. À partir du verset 4. Éphésiens 14. Oui. À partir du verset 4. Oui. Il y a un seul corps. Il y a un seul corps. Et un seul esprit. Et un seul esprit. Comme aussi. Vous avez été appelé. Vous avez été appelé. À une seule espérance. Par votre vocation. Oui. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur. Il y a deux Seigneurs. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul qui est élevé. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Un seul baptême. Un seul Dieu. Et Père de tous. Qui est au-dessus de tous. Et parmi tous. Et en tous. Continue. Mais à chacun de nous. Écoute maintenant. Quel soit le pasteur, quel soit le fidèle,
chacun reçoit une portion de l'Esprit de Dieu. Mais à chacun de nous. Mais écoutez, il parle de l'Église, qu'il soit apôtre, qu'il soit pasteur, qu'il soit fidèle. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée. La grâce a été donnée. Selon la mesure du don, du don de Christ. Chacun de nous reçoit une portion de l'Esprit de Dieu. Amen. On a reçu la même chose. Amen. Il n'y a pas un qui a reçu plus que l'autre. Impossible. Il n'y a pas un qui a reçu plus que l'autre. Amen. Continue. C'est pourquoi qu'il est dit. Qu'il est dit. Étant monté en haut. Il a amené des captifs. Il a amené des captifs. Continue. Et il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. Or. Oui. Que signifie il est monté? Oui. Sinon qu'il est aussi descendu. Oui. Dans les régions inférieures. Au verset 10, rappelez-moi. Au verset 10. Oui. Celui qui est descendu. Celui qui est descendu. C'est le même qui est monté. C'est le même qui est monté. Après, il a donné l'esprit à toute l'église là. Après, il a donné l'esprit à tous ceux qui ont cru, qui reçoivent le même esprit. Il n'y a pas un qui a décidé de le prendre, reçu le même esprit. Mais il y a des dons de ministère. Celui qui est descendu. Celui qui est descendu. C'est le même qui est monté. C'est le même qui est monté. Au-dessus de tous les cieux. Au-dessus de tous les cieux. Afin de remplir toutes choses. Afin de remplir toutes choses. Et il a donné. Et il a donné. Et il a donné. Et il a donné. Oui. Folie. Et il a donné. Et il a donné. Les œufs comme apôtres. Les œufs comme. C'est un don, c'est pas eux-mêmes. Non. Comment toi qui es chrétien, on a reçu un don? C'est un don, ils ont reçu un don de Dieu. C'est pas eux. Eux là, ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous tous. Pasteur, fidèle, tout le monde a reçu le même esprit. Il n'y a pas un qui a reçu un esprit au-dessus de l'autre. On a reçu le même esprit. Maintenant, il y a des dons pour édifier l'église. Il y a les ministères, l'esprit agissant dans les individus pour édifier son peuple. C'est ça. Lui disons. Et il a donné. Et il a donné. Les uns, comme apôtres, les autres, comme prophètes, les autres, comme évangélistes, les autres, comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Tu vas prendre au-dessus de l'église. Amen. Pour le perfectionnement des saints. Elle a donné le ministère, c'est pas prendre au-dessus des autres, non. C'est pas ça. Il a donné, il faut écouter. Il a déjà donné l'esprit. Il a déjà donné l'esprit. L'esprit là, on a reçu tous le même esprit. Il a donné l'esprit là, donc on est même chose. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de l'autre. Maintenant, parmi nous qui sommes même chose là, il prend des individus à travers lesquels il va édifier son église. Amen. Il va perfectionner son église. Amen. Il n'a pas dit que c'est pour qu'ils soient au-dessus des autres. Non, amen. C'est dans le but de perfectionner les saints. Amen. Continue. Pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre. En vue de l'œuvre. Du ministère. Du ministère. Et de l'édification du corps de Christ. C'est tout. C'est pas pour être au-dessus. C'est pas pour être au-dessus des autres. Mais c'est pour perfectionner son corps. Amen. Et je vais maintenant pointer 12 à partir du verset 4. Oui. Après tout, verset 4. Oui. Il y a diversité de dons. Écoute maintenant, il y a diversité de dons. Mais le même esprit. Mais le même esprit. Diversité de ministères. Diversité de ministères. Mais le même Seigneur. Mais le même Seigneur. Diversité d'opérations. Diversité d'opérations. Mais le même Dieu qui opère. Mais le même Dieu. C'est un don, c'est un qui fait le travail dans eux. C'est un seul qui opère. C'est pas l'homme là qui opère. C'est pas l'homme là qui fait le travail. Jamais. C'est pas lui. Non, il peut pas être grand. Il peut même pas. Il peut pas être grand. Si c'est pas lui, il peut pas être grand. C'est ça. Si c'est pas lui, il n'est rien. C'est ça. Disons. Diversité d'opérations. Mais le même Dieu qui opère. Mais le même Dieu qui opère. Tout en tous. Tout en tous. Voici. Vas-y. C'est Dieu qui fait ça. Amen. C'est Dieu qui agit. C'est pas c'est Dieu seul qui est grand. Amen. C'est pas l'homme là qui est grand. Amen. C'est le ministère. Dieu agissant d'un homme là. C'est lui qui est grand. Amen. Continue. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité
conduit. À quoi tu peux dire, c'est Dieu qui envoie ça. C'est Dieu qui manifeste son esprit. Lui, en effet, à lui est donné par l'esprit. Par l'esprit. C'est pas lui-même. C'est pas le pasteur lui-même. Donc il n'est rien. Claire, il n'est rien. Insistant. C'est pas lui-même. C'est pas son intelligence. Donc il n'est rien. C'est la manifestation du Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui est quelque chose. Celui qui se manifeste là, c'est lui qui est quelque chose. C'est lui qui est grand. Continue. En effet, à l'un est donné par l'esprit. Une parole de sagesse. À un autre. Une parole de connaissance. Selon le même esprit. C'est le même Dieu qui fait ça. Donc, ministère, il donne parole de sagesse. C'est le même Dieu qui est le plus grand. C'est pas celui qui a reçu les dons là qui sont grands. Jamais. C'est lui qui se manifeste qui est grand. Lui disons. À un autre. La foi. Par le même esprit. À un autre. Le don de guérison. Par le même esprit. Celui qui t'a dit, il va plus guérir. C'est pas lui. Faut pas l'élever. C'est Dieu qui te guérit. C'est pas lui le canal par lequel Dieu pense que tu es guéri. Amen. Donc c'est Dieu qui est grand. C'est pas lui qui t'a imposé les mains qui est grand. Amen. Si c'est la manifestation de l'esprit, amen, l'onction, Dieu agissant dans tes individus. Amen. C'est lui qui agit là qui est grand. C'est pas l'individu. Bien. Vous tous avez reçu le Saint-Esprit. Disons. À un autre. Le don d'opérer les miracles. À un autre. La prophétie. À un autre. Le discernement des esprits. À un autre. La diversité des langues. À un autre. L'interprétation des langues. Un seul. Et même esprit. Opère toutes ces choses. Les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. C'est pourquoi il est le plus grand. Amen. C'est lui qui les distribue à chacun comme il veut. Donc la manifestation là, c'est lui qui manifeste ça. Amen. C'est pas l'homme qui manifeste ça. Quand le pasteur vient enseigner là, c'est pas l'individu qui enseigne, c'est le Saint-Esprit qui enseigne. Amen. Comme tu dis que celui qui enseigne est le plus grand, alors celui qui enseigne c'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est le plus grand. Ce n'est pas l'homme qui est le plus grand. Jamais. Celui qui enseigne, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donne-lui le micro. Ok. Ok, je vous ai compris. Avant de partir, je vais clarifier cette question. Je n'ai jamais dit que l'homme qui pêche pour toi, mais c'est autrement de quoi. Sa personne est plus grande. C'est pas ce que j'ai dit. Pourquoi j'ai pris l'exemple sur le président. On dit non, le président, c'est un citoyen, mais c'est son fonction qu'il utilise qui fait de lui un grand. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple comme ça. Pour dire quoi? Je n'ai pas dit que c'est l'homme lui-même qui est grand dans l'église, non. Je dis, il devient dans votre maison par rapport aux fonctions qu'il occupe. C'est tout ce que j'ai dit. Je sais que c'est tout. Regarde, il faut être humble. C'est bien. Non, il faut être humble. Ce que tu as dit au début, là, c'est pas la même chose. Ce que tu as dit au début, c'est pas la même chose. Attends, il faut être humble. Quand tu comprends que j'ai compris, avant, il n'y avait pas compris, maintenant, il a compris pour bénir Dieu. Et le plus important, c'est de bénir Dieu. C'est ça veut dire que Dieu résiste aux orgueilleux. Non, c'est pas débat. Non, mais t'es pas là, répondu. C'est pas débat. Non, seulement alors, il faut reconnaître. Au début, là, quand il est venu, là, c'est pas cette procédure. C'est ça. Tu as dit, tu as dit que le frère, tu l'as entendu dire que dans l'église, là, le pasteur, comme elle a dit, le pasteur le plus grand dans l'église. Pourquoi tu n'es pas d'accord avec ça? C'est ça. Et pourtoi le pasteur le plus grand dans l'église? C'est ça. Attends, écoute. Il faut écouter. Non, c'est pas par là. Non, écoute, il faut écouter. Dans ta pensée première là. Attends,
te calmer. Dans ta pensée première, là, dans l'église, là, le plus grand, c'est le pasteur. C'est ça. Non, mais c'est l'homme. Tu parles de l'homme. Toi, tu parles de l'individu. Tu parlais de l'individu. C'est ça. Maintenant, écoute. Écoute, attends. Quand j'ai répondu à la première partie, non, moi, tu n'as pas compris. Tu as d'abord que le Saint-Esprit est grand, c'est d'abord. Mais, toi, tu crois que le pasteur est le plus grand. Et tu as dit, attends. Tu as pris l'exemple du chef d'État par rapport à la personne du chef d'État. Attends, non, écoute, as dit la, écoute-moi. Écoute-moi, tu as dit, il y a la fonction. La fonction de rang grand. Ce que tu as dit, écoute, dit, non, tu as mal compris pour le chef d'État. Il faut écouter. Il faut écouter. J'ai dit que tu as mal compris pour le chef d'État. Ce n'est pas l'individu qui est grand. Tu vois, mais c'est la fonction là. Écoute, il faut écouter. Il faut écouter, écoute. Ce qu'on fait, c'est pour t'aider. Parce que tu as une pensée dans la tête. Tu es venu, attends. Tu es venu avec une pensée dans la tête. On veut t'aider. Je t'ai dit que le chef d'État là, quand tu as pris cet exemple-là, ça ne traite pas ta pensée sur le pasteur. C'est ça. Parce que pour le chef d'État là, c'est une fonction qui est la fonction la plus élevée dans la nation. Ce n'est pas l'ennemi, mais lui me fait perdre la fonction et être abaissé. C'est ça. Donc, c'est la fonction là qui est grande. Ce n'est pas l'individu qui est grand. C'est là que tu as commencé à comprendre. Il faut être humble. Maintenant, je suis revenu maintenant au pasteur, au prophète et autres, pour dire que dans l'église là, celui qui enseigne là, ce n'est pas l'homme. Jamais. Si tu enseignes, il est plus grand que toi. Il a dit non, celui qui enseigne, c'est pas l'homme lui-même, mais c'est le Saint-Esprit qui enseigne à travers quelqu'un. Donc celui qui est grand, c'est le Saint-Esprit. On a pris d'un côté tout ce qui se passe dans l'église, c'est le Saint-Esprit qui agit. Donc le plus grand, c'est le Saint-Esprit. C'est pas l'individu. C'est tout. Donc j'aimerais que tu reconnaisses en Dieu. C'est tout. C'est tout. Donne le micro. Et puis on va passer à autre question. Vous savez, le problème là, c'est pas, je ne cherche pas à faire un débat avec vous. Non. C'est parce que ces questions n'arrivent pas à vous. Voilà pourquoi, avant de poser les questions, quand j'ai posé la première question, quand vous avez intervenu, vous avez fait savoir qu'il y a des personnes dont vous n'avez pas compris. Juste quand j'ai pris deux exemples, j'ai pris sur le père de la maison, vous dites, il est le père à la maison, mais arrivé à l'église, à cause du fonction que le coupe, c'est le fonction qui fait de lui un pasteur. C'est son fonction. Nous tous, on sait que c'est Dieu qui utilise l'homme. Même tout ce qu'on fait à l'air là, c'est Dieu qui nous utilise. On est d'accord. Mais quand on arrive là, le ton que Dieu lui a donné en tant qu'un responsable, un prophète, mais un apôtre là, fait de lui un grand, c'est tout ce que j'ai dit. Sinon, je sais que c'est Dieu qui opère à travers lui. Mais c'est son fonction qui fait de lui grand devant moi. Parce que je n'ai pas la même fonction que lui. Moi, je suis assis, lui, il m'enseigne. C'est pour ça qu'il dit que c'est son fonction qui fait de lui grand que moi. C'est ce que j'ai là. Je ne parle pas de sa personne. La fête, ça qu'il fait de lui, c'est sa personne. Il devient grande. Et au coup, fais écouter. La fonction là, c'est la fonction qui est grande, c'est pas l'individu qui est grand. C'est tout. Il faut que tu aies de respecter la fonction. Quand on respecte le pasteur là, c'est pas l'église, c'est la fonction qu'il occupe qu'on respecte. Tu vois, c'est la fonction, ben, c'est Dieu qui agit. C'est Dieu on respecte. C'est Dieu on respecte. C'est Dieu on respecte. Parce que c'est Dieu qui est le pasteur. C'est ça. Tu vois. C'est Dieu qui est le prophète. C'est Dieu qui est le docteur. Amen. Donc, le plus grand dans l'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le plus grand dans l'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes tous des frères. Amen. C'est celui qui est au-dessus, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Question, Monsieur Caleb. Monsieur Caleb, Monsieur Kragwe, Romari qui est là, avant, Romari, comme de Dieu, viens lire, voilà, vous voyez, c'est ces gens de désordre là qu'on veut éviter. Parce que ici, là, nous, on va aborder un peu plat de la dialectique. On est de doubler la parole. Prends ton mal à passer, il faut l'écouter. Parce qu'on va te passer le micro. Bonsoir, frère. Bonsoir.
question à poser. À propos du frère tout à l'heure, qui disait parler. Il y a quelque chose qu'il a dit, moi, je m'en parlais un peu. Il dit les autres églises, les assemblées, les gars, et parle en manière moutonnière, mais c'est pas. Lui, papa, comment on fait. Que dans l'église, c'est vrai, il y a les parler en langue. Mais vraiment, il savoir comment on doit parler en langue dans l'église. Comment ça doit se passer. Donc voilà, là, maintenant, il y a la différence entre lui, papa, et la parole de Dieu. D'accord. C'est une bonne question. Avant de te répondre, je voudrais faire savoir à l'assistance qu'on n'est pas contre le frère qui vient de passer. Il n'y a pas de parole entre nous, il n'y a pas d'histoire. Seulement, il faut clarifier. On veut aider le frère, on veut aider beaucoup de personnes ici. Quand quelqu'un pose une question, c'est pour aider tous ceux qui écoutent aussi. Parce que sa question peut les aider. Il y a des choses qui fatiguent beaucoup de personnes. Et on n'est pas contre des pasteurs. Seulement la place que les gens leur donnent dans l'église, là, ce n'est pas leur place. C'est ça. C'est ce qu'on veut faire ressortir. Vous voyez, ce n'est pas leur place. C'est la place de Jésus-Christ qu'ils sont en train de prendre. C'est ça. Or, personne ne doit prendre la place de Jésus-Christ. Amen. Quand tu es un ministre, reste à la place du ministre. Amen. Quand tu fais ton travail, c'est le Saint-Esprit qui a travaillé, ce n'est pas toi. Et sois comme tes frères, sois avec tes frères. Il ne faut pas te mettre au-dessus du peuple. Il ne faut pas le faire. La fonction est à respecter parce que c'est Dieu qui agit. Donc la fonction à respecter, mais ça ne veut pas dire que l'homme est au-dessus des autres. L'homme et les autres, ils sont des frères. On peut appeler le pasteur frère. On peut l'appeler par son nom. C'est son nom de famille, c'est son nom. Et c'est frère qui l'appelle comme ça. Et à l'école, comment on l'appelait? C'est son nom, on peut l'appeler par son nom. On peut l'appeler frère. Mais il y a des pasteurs, c'est l'appeler frère qui est mort. Il va dire, quelle audace! Parce que lui, on ne peut pas l'appeler frère. Donc, tu n'es pas notre frère alors. Pourtant, nous sommes tous des frères. C'est ça. Nous sommes tous des frères. C'est ce qu'on fait savoir. On n'est pas contre le ministère pastoral. Mais la place que vous donnez à vos pasteurs n'est pas leur place. C'est la place de Jésus-Christ que vous êtes en train de leur donner. C'est clair. Et en fait, vous reveniez à l'écriture. Vous reveniez à la parole. Le seul qui est plus grand dans l'assemblée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et pour maintenant revenir à ta question, le frère a dit beaucoup de choses sur le parler en langue. J'ai entendu beaucoup de choses et les gens crient, toutes ces choses-là. Et tu as été vraiment choqué. Tu voulais savoir comment se passe de parler en langue dans l'église. C'est une excellente question. Et il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Il y a la langue des hommes et il y a la langue des anges. Les gens confond ça. Lisons 1 Corinthiens 13, premier. 1 Corinthiens 13. Oui. Verset premier. Oui. Quand je parlerai les langues des hommes. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Et des anges. Or, on sait que la langue des hommes, les hommes vont partout, les chinois, japonais, anglais, paolais, bété, ami, congolais, toutes ces choses-là, c'est les langues des hommes. Mais les anges sont les langues dans laquelle ils s'expriment. Maintenant, Dieu aussi, il peut nous faire parler la langue des hommes et il peut nous faire parler la langue des anges. C'est clair. Par exemple, toi, tu es d'un pays francophone. Tu ne comprends pas allemand. L'allemand fait partie de la langue des hommes. Et quelqu'un, Dieu peut le toucher à parler allemand. Comme Dieu peut le toucher à parler allemand. Tu n'as pas la langue des hommes que tu ne comprends pas. Mais quelqu'un peut être allemand et lui comprendre. Il peut venir nous dire ce que tu as dit. Ça, c'est la langue des hommes. Il y a d'autres qui comprennent ça. Mais la langue des anges, là, personne sur la terre ne comprend. Parce qu'on ne s'exprime pas dans cette langue-là. Okay. On ne s'exprime pas dedans. Tu vois? On ne s'exprime pas dedans. Donc, il y a parlé en d'autres langues, mais il y a parlé en langue. C'est clair. Il y a le parler en langue. Et le parler en d'autres langues. Décision. Parce que toi, ta langue, tu comprends, mais tu comprends les autres langues. Donc, on parle d'une autre langue, en d'autres langues. Ça, là, d'autres personnes peuvent comprendre. Voilà. Mais la langue des anges, là, oui. Parler en langue, là, nous, on ne comprend pas. Voilà. Donc, quand quelqu'un a parlé comme ça, là,
peut pas aller à la maison comme ça. Ce qu'il a dit là. Nathan nous dit ce qu'il avait dit. Wow. Toi-même, quand tu arrives dans la rue et puis tu connais quelqu'un qui te parle en anglais, toi tu ne comprends pas en anglais, mais tu as bien un interprète. Mmh. Sinon, tu n'as pas le saisi. Tu as forcément besoin d'un interprète. À la Pentecôte, les hommes parlaient en d'autres langues. Disons même, acte 2, partie du verset 1er. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup. Tout à coup. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues. Des langues. Semblables à des langues de feu. Semblables à des langues de feu. Leur apparurent séparées les unes des autres. Apparurent séparées les unes des autres. Et se posèrent sur chacun d'eux. Et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues. Et se mirent à parler en d'autres langues. Et se mirent à parler en d'autres langues. En d'autres langues différentes de leur langue. Donc c'est la langue des hommes, tu vas voir. C'est d'autres langues. Mais eux, ce n'est pas les langues qu'ils parlent habituellement. Donc ils ont parlé en d'autres langues. Mmh. La langue des hommes. Vous parlez chinois, japonais. Ça, c'est la langue des hommes. Continue. Selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer. Selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer. Oh, oh. Il y avait en ce jour à Jérusalem. Il y avait en ce jour à Jérusalem. Des Juifs. Des Juifs. En pied de toutes les nations. En pied de toutes les nations. Ils sont sous le ciel. Ils sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu. Au bruit qui eut lieu. La multitude a couru. La multitude a couru. Et elle fut confondue. Et elle fut confondue. Parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Dans la langue des anges. Ils parlaient les langues des hommes. Ils ont parlé d'autres langues. Là, les autres, eux, comprennent. D'autres peuvent comprendre. D'autres comprennent déjà. Continue. Ils étaient tous dans l'étonnement. Ils étaient tous dans l'étonnement. Et la surprise. Et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres. Et ils se disaient les uns et les autres. Voici ces gens qui parlent. Voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous Galiléens? Ne sont-ils tous pas tous Galiléens? Comment les entendons-nous de notre propre langue et à chacun? Comment les entendons parler de nos propres langues à chacun? Dans notre langue maternelle. Dans notre langue maternelle. Ça, c'est notre langue. La langue des hommes. Les hommes comprennent ça. Les hommes s'expriment comme ça. Lui continue. Part. Lui. Med. Élamite. Lui. Ceux qui habitent la Mésopotamie. Lui. La Judée. Lui. La Cappadoce. Lui. Le Pont. Le Pont. L'Asie. L'Asie. La Phrygie. Lui. La Pamphylie. Lui. L'Égypte. L'Égypte. Le territoire de la Libye. La Libye. Il parlait toutes ces langues. Mais les hommes sont de l'être national, ils comprennent. Oui. Le territoire de la Libye voisine de Cyrène. Oui. Et ceux qui sont venus de Rome. Et ceux qui sont venus de Rome. Juifs et prosélytes. Juifs et prosélytes. Grétois et arabes. Grétois et arabes. Même arabes, ils ont parlé. Tu vois, ils ont parlé d'autres langues. Par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui a créé toutes ces langues. Ça, c'est la langue des hommes. Ça, c'est parler en d'autres langues. Tu comprends? Les hommes, là, eux, comprennent. Tu comprends, non? Donc, il peut te dire ce qu'elle a dit dans sa langue. Tu vois. Maintenant, la langue des anges, là, il n'y a pas un homme qui comprend ça. Jamais. Ce n'est pas dans cette langue que l'on s'exprime. Tu comprends? Donc, si Dieu vient parler dans cette langue, il faut forcément un interprète. Oh, c'est le contraire, on voit hier. Quand le pasteur dit « Paix », ça a commencé, toute l'église saute. Toute l'église se lève, ça tape salto. Ça te donne coup de tête. Tu vois, affaire de Dieu, ça coule, ça crie. Chacun pour le Saint-Esprit, il dit, affaire de Dieu. Et puis quand ils finissent, ils disent, ah, on a été bénis. Mais ils ont dit quoi? C'est qu'ils ont dit, le Saint-Esprit qui a parlé, qui sait que vous ne comprenez pas là, il doit interpréter pour vous. Vous l'avez battu. Est-ce qu'il vous a maudit? Est-ce qu'il vous a maudit? C'est de ça qu'on est en train de parler.
Nous croyons au parler en langue, mais au parler en langue authentique. Amen. Parce que parler en langue de la Bible. Amen. Au parler en langue authentique. Amen. Et l'ordre donné par Dieu. On ne se lève pas comme on parle en langue dans l'église. Mm-hmm. Et puis, tout le monde ne se lève pas comme ça. C'est ça. C'est pas choral. Il y a un ordre. On lit 1 Corinthiens 14 à partir du verset 26. 1 Corinthiens 14. Oui. À partir du verset 26. Oui, écoute, hein, ça c'est l'ordre. Comment ça se passe? Que faire donc, frère? Que faire donc, frère? Lorsque vous vous assemblez. Ah oui, non, on est au culte, c'est ça, non? Lorsqu'on est au culte, là, les on se réunit. Les uns, comment on doit faire? Comment ça s'est passé? Oui. Les uns pour les autres. Oui. Avec vous. Oui. Ont-ils un cantique? Ont-ils un cantique? Une instruction. Une instruction. Une révélation. Une révélation. Une langue. Une langue. Une interprétation. Une interprétation. Quand tu parles des langues là, Dieu n'a jamais mis interprétation pour toi. Que tout se passe. Que tout se passe. Pour l'édification. Quand tu viens parler à ton peuple, c'est pour édifier son peuple. Maintenant, Dieu a fini de parler là, tu ne comprends pas. Tu as comment l'édifier? Tu n'as rien compris, tu dis Amen. Ah, tu dois être édifié. C'est quoi le monsieur est sous la touche? Tout ce n'est pas en langue. Et puis il est heureux. Que tout se fasse. Il faut venir nous dire ça. Que tout se fasse. Que tout se fasse. Pour l'édification. Pour l'édification. Quand Dieu parle, c'est pour son peuple. Amen. Donc, quand Dieu dit pas pourquoi. Hein? Quand Dieu dit, c'est pour son peuple. Amen. Il y a un canal pour lequel il s'adresse à son peuple. Amen. Lorsqu'il a dit, il faut venir nous dire ça. En est-il? En est-il? Qui parle en langue? Non, c'est les papes, on ne peut pas payer. On doit s'y attirer la langue. En est-il? En est-il? Qui parle en langue? Qui parle en langue? Que deux. Que deux. Ou toi au plus. Toi au plus. Parle. Hein? Que deux. Que deux. Ou toi au plus. Ou toi au plus. Ou toi au plus. Au plus. Parle. Est-ce que vous voyez? Ailleurs, c'est les saltos, les cacatos. Langue. Le pouce. Dans l'église, langue. Chacun parle ici, ça roule la terre. Après, on roule en avant, on roule en arrière. Des voiles. Langue. Fait de faire les acrobaties. Toute l'église ensemble. C'est faux. C'est le diable. Il n'y a pas Dieu là-bas, c'était là-bas. Sauve. Amen. Sauve ton âme. Parce que Dieu est avec sa parole. Amen. Et Dieu lui-même, il respecte sa parole. Amen. Et puis, il obéit à sa parole. Amen. Il a dit sans sécurité, il n'a pas de parole de péché. Amen. Il a obéi à ça, il a fait son parole de péché. Il a respecté sa propre parole. Il a été obéissant. Et il a obéi à sa parole. Il a respecté ses principes. Amen. Donc Dieu respecte sa parole. Amen. Dieu obéit à sa propre parole. Amen. Mais ailleurs on voit autre chose. C'est qu'il n'y a pas Dieu là-bas. Amen. Continue. Que deux. Pour toi au plus. Pour toi au plus. Parle. Parle. Chacun à son tour. Dis-nous quoi? Chacun à son tour. Dis-nous quoi? Chacun à son tour. Ensemble. Chacun à son tour. Ensemble. Chacun à son tour. Chacun à son tour. Les trois ne parlent pas ensemble. Et que quelqu'un interprète. Quand le pasteur dit qu'il y a une langue, il y a un qui se lève, dit moi, il y a une langue. On dit pas fini. Parle ta langue. C'est pas dans l'épisode, hein? Il vient, il parle sa langue, il finit sans s'asseoir. Qui donne une langue? Il dit moi. Il dit viens, parle ta langue. Il finit par te parler sans s'asseoir. Qui d'autre? Dis-moi. C'est parlé. Qui d'autre? Tu t'allais ta main, on te délivre, mais c'est un démon qui t'a parlé. C'est ça! Il dit que deux ou trois au plus sort. Dieu respecte ça là. Amen. Dieu respecte ça là. Shalom, frère. Dieu est avec ça. Il dit, vais-y ma parole. Amen. Pour l'exécuter. Dieu exécute sa bonne parole. Amen. Si un quatrième qui dit moi, j'ai parlé en langue. On dit, c'est un démon qui t'a parlé. C'est pas Dieu. Mais là-bas, c'est toute l'église qui s'élève. Ensemble. Chacun c'est à son tour. Chacun à son tour. Tour. Et que quelqu'un interprète. Et que. Et que quelqu'un interprète. Et que quelqu'un
interprète. Il faut qu'il y ait un interprète. Lui, s'il n'y a point d'interprète, s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église, qu'on ferme la bouche et qu'on parle à soi-même et à Dieu. T'as vu? S'il n'y a pas de